Aujourd'hui, nous allons voir les listes chaînées. On va essayer de lire ce cours-là et après, on va concrétiser ça avec le code Blocks. Alors, pour commencer, alors une liste chaînée, c'est quoi? C'est une structure dynamique. Pourquoi c'est dynamique? Parce que on peut l'agrandir au fur et à mesure de la lecture des données. Donc, contrairement aux tableaux, les tableaux, quand vous faites le malloc ou bien vous déclarez un tableau de manière statique, il est fixe. Le nombre de cases, il est fixe. Donc, pour pouvoir, par exemple, agrandir le nombre de votre tableau, vous devez déclarer un nouveau tableau et copier tous les éléments. Si vous voulez, par exemple, modifier un élément au milieu du tableau, vous devez décaler tous les éléments. Donc, ça, c'est problématique parfois. Donc, pour pouvoir avoir une structure dynamique qui nous donne la possibilité de rajouter n'importe quel élément sans toucher aux autres, on peut utiliser les listes chaînées. Donc, une liste chaînée est constituée de cellules. On peut appeler ça cellule, ou bien on peut appeler ça un nœud, on peut appeler ça un maillon. Voilà, il y a plusieurs appellations. Donc, une cellule est composée de deux champs. Donc, elle a un élément et un pointeur qui s'appelle suivant, contenant un pointeur sur une autre cellule. Donc les cellules ne sont pas rangées séquentiellement en mémoire d'une exécution à l'autre. Donc leur localisation peut changer. Alors pour pouvoir comprendre ça, on doit schématiser. Donc on va dire que c'est un ensemble de cellules. Chaque cellule, en fait, c'est un enregistrement. Donc il contient quoi? Il contient des éléments ici. Par exemple, si je prends un exemple, hein, cellule étudiant, il contient un nom. Par exemple, je mets ça ici, N. Il contient un prénom. Et par exemple, il contient une moyenne, je vais dire M ici. Ça, c'est le noyau, le nœud plutôt. Ça, c'est le nœud ou bien une cellule. Donc, une liste chaînée, c'est quoi? C'est un ensemble de cellules comme ça dispersées dans la mémoire. La même chose ici, N, etc. P et M ici. Donc vous avez plusieurs comme ça, cellules comme ça, dispersées dans la mémoire. Donc pour pouvoir les lier entre elles, je dois utiliser ici un autre champ. C'est un pointeur ici. Je vais dire S pour dire suivant. Et le pointeur va pointer sur l'élément suivant. Par exemple, ce pointeur-là, il va pointer sur cet élément-là. Et cet élément-là pointe lui-même sur ce troisième élément qui contient aussi la même chose. Donc c'est ça le concept, c'est-à-dire ouais, le concept de la liste chaînée. Donc si on veut par exemple voir ça dans la mémoire, comme ça, on va dire que Hada, c'est le premier nœud. Bien sûr, c'est des cases, c'est des blocs mémoire. Donc par exemple, comme ça, par exemple, Hada, c'est le nom. Hada, c'est le prénom et Hada, c'est le pointeur suivant. En fait, dans la mémoire, c'est pas obligé que le nœud suivant il soit ici. Donc, il peut être par exemple bien loin dans la mémoire, mais en fait, Hada, le S là, il va contenir en fait, par exemple, si votre nœud il est là, on va dire votre mémoire commence, par exemple, on donne des chiffres, ça c'est l'adresse 100. Ça, c'est juste une simplification ici, hein, adresse 101, parce que là, si on parle d'octets, donc si on parle d'octets, par exemple, un entier va occuper 4 octets. Mais là, on va dire, pour simplifier la schématisation. Donc ça, c'est l'adresse 102. Supposons que ça, il y a d'autres variables ici occupées. Et ici, il y a l'adresse, par exemple, donc 103, 104, 115, 106. Alors, donc votre deuxième enregistrement, il commence par là. Et bien sûr, ainsi de suite. Donc, pour pointer vers là, donc ce suivant-là, il va contenir quoi? Il va contenir l'adresse 106. Voilà. Donc le pointeur, Tercom, il va contenir l'adresse 106 qui va pointer vers le prochain élément ici. Et ainsi de suite. Donc, les cellules ne sont pas rangées séquentiellement, comme on vient de voir, d'une exécution à l'autre. Une position adresse est un pointeur
sur une cellule, comme on vient de voir. Donc, on peut rajouter ou supprimer un élément, ne nécessite pas de décalage. Voilà, donc il n'y a pas nécessité de décalage comme dans les tableaux. Donc, une liste est un pointeur sur une cellule qui contient, en fait, une liste c'est quoi? C'est un pointeur sur une cellule qui contient le premier élément de la liste qu'on appelle tête de liste. Donc, quand la liste est vide, on dit qu'elle est nulle. Maintenant, on va voir la déclaration. Donc, pour voir la déclaration, je préfère qu'on va voir sur le code blocks ici, on va voir un programme ensemble. On va d'abord commencer par le commencement. Donc, on a dit en fait que une cellule, c'est un enregistrement. Donc, pour déclarer un enregistrement, c'est comme ça. Donc, comme on a l'habitude de faire. Regardez bien cette partie. Donc, type d'œuf, struct. Là, je dois impérativement donner un nom. Je vais vous dire pourquoi. Donc, struct etd. Là, je spécifie le champ. Premier champ, nom. Deuxième champ, par exemple, pour cet exemple, je prends seulement le nom et la moyenne. Et là, regardez bien, ça c'est intéressant. J'ai écrit liste. J'ai déclaré un élément qui s'appelle liste suivant. Et ce liste, c'est quoi en fait? Regardez, j'ai défini un autre type d'œuf ici. Type d'œuf struct etd étoile. Etd étoile en fait, c'est un pointeur sur un type, sur un enregistrement de ce type-là. Donc, je définis, je dis que je suis en train de définir struct etd étoile comme étant liste. Donc, à la place d'écrire struct etd étoile, j'écris liste. Donc, ici, on a dit que l'élément suivant, c'est un pointeur sur un enregistrement de ce type-là. Donc, ici, j'aurais pu écrire, en fait, c'est la même chose ici que d'écrire struct etd étoile suivant. D'accord? Ça, cette écriture et cette écriture, elles sont identiques. Donc, pour simplifier, je définis ici un autre type que j'appelle liste. Voilà. Donc là, j'ai un pointeur sur l'élément suivant. Et bien sûr, le nœud ou ce mot étudiant. Voilà. Donc maintenant, on va voir comment on enchaîne les éléments. Donc on va d'abord, avant de voir les fonctions, on va voir les choses de manière basique. On va prendre le main. Donc avant de voir les fonctions, regardez bien. Par exemple, on prend cet exemple. Je déclare ici, suivez ici étape par étape. N'essayez pas de lire le reste. Suivez-moi étape par étape. Comme ça, vous pouvez voir clair. Donc ici, je déclare deux enregistrements de type étudiant. Là, quand j'écris étudiant ETD1, ETD2, je déclare en fait deux enregistrements. En fait, je vais schématiser ça. Je vais dire ça, c'est ETD1. Je vais écrire ET1, comme ça, parce que la souris. Alors, ET1, c'est ça. Donc, fais le nom et fais la moyenne. J'ai déclaré aussi un autre enregistrement qui s'appelle ETD2 et qui contient aussi un nom et une moyenne et bien sûr un pointeur ici. N'oublions pas qu'il y a, pour le pointeur, je vais faire ça. Donc, il y a ici un pointeur. Ça, c'est un pointeur. Mais elle, je n'ai pas enchaîné. Je n'ai rien fait pour le moment. Pour le moment, j'ai seulement déclaré. Alors maintenant, je vais essayer de les remplir. Donc, comme on a l'habitude de remplir les enregistrements, là, il y a une interaction avec l'utilisateur. Il lui dit, donnez-moi le nom du premier étudiant. Après, qu'est-ce que je fais? Je vais faire scanf pour son S et je spécifie le champ du premier étudiant. Donc, c'est etd1.nom. Donc, pour accéder à cette variable. Et la même chose, printf, donnez la moyenne, je lis la moyenne, scanf pour son f, et je mets aussi un et commercial. Donc c'est important ici, etd1.moyenne. Donc j'accède à cette case et je mets en fait ma moyenne ici. La même chose, je vais dire printf, donnez le nom
Du deuxième élément, je fais la même chose. Donc, je lis le nom du deuxième élément et je lis la moyenne du deuxième élément, ou bien du deuxième étudiant. Très bien. Maintenant, qu'est-ce que j'ai jusqu'ici? Jusqu'ici, j'ai deux enregistrements remplis. Donc, j'ai celui-là et j'ai celui-là qui sont remplis dans la mémoire, mais qui ne sont pas encore enchaînés. Donc, il n'y a rien. Alors, pour pouvoir les enchaîner, qu'est-ce que je fais? Regardez bien. Je vais dire que étudiant 1, point suivant, il y a le pointeur qui est là, il va recevoir l'adresse de étudiant 2, donc l'adresse de cet enregistrement. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Je vais faire pointer ce pointeur-là sur l'adresse de cet enregistrement. Et qu'est-ce que je fais? Je vais dire etd2, point suivant, égal à nul. Yani hada, il pointe sur rien. Donc ça, il s'arrête ici. Je vais faire comme ça. Là, en fait, avec cette écriture, je viens de, donc avec cette écriture jusque-là, je viens de créer une liste chaînée de deux nœuds. Voilà. Donc, déjà, il faut comprendre ce qu'on a fait ici. Ça, c'est la manière basique. Bien entendu, maintenant, nous, quand on travaille, on ne va pas s'amuser à enchaîner les enregistrements de façon comme ça, de façon statique, de façon manuelle. Donc, on doit utiliser des fonctions. Alors, les fonctions existantes, on va jeter un coup d'œil sur le cours et puis revenir ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire sur les listes? Donc, nous, on est dans les listes simplement chaînées. Donc là, il faut savoir, avant de voir le reste, il faut savoir que là, on est dans les listes simplement chaînées. Ou je mets ta liste simplement chaînée, mais on part d'un nœud à un autre de manière simple. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de listes chaînées. Il y a les listes chaînées double sens. Donc, il y a des listes avec deux pointeurs qui pointent comme ça et un pointeur qui pointe vers le reste. Il y a aussi ce qu'on appelle les listes circulaires. Ça veut dire que si j'ai comme ça plusieurs nœuds, donc ça pointe sur ça, ça pointe sur ça, etc. Le dernier va pointer sur le premier. Ça, on l'appelle une liste circulaire. Pour le moment, on travaille sur les listes simplement chaînées. Alors là, petit rappel, ce qu'on a vu maintenant, ça c'est ce qu'on a vu. Donc on déclare ici une structure, on allait l'élément et là, c'est en fait struct étoile pointer. Donc, pour simplifier, qu'est-ce qu'on fait en fait? On va utiliser struct list étudiant. Donc, on va utiliser ça pour, comme on vient de voir maintenant, pour simplifier. Donc, le résultat, il est là, regardez bien. Donc, je vais descendre. Donc, voilà comment on déclare un enregistrement comme on vient de voir. Donc, c'est type d'œuf, le type ici, et je donne un nom à l'élément. Donc, ça, c'est la structure de type d'œuf. Après, type d'œuf struct id étoile, donc le pointeur, je définis le pointeur comme étant liste, et après, je définis mon enregistrement qui contient les éléments et le pointeur suivant. Très bien, maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec les listes chaînées. Pour accéder à une variable, à une valeur, pour accéder à une valeur d'une liste chaînée, alors si j'ai par exemple, si j'ai comme ça liste L, la liste L c'est un pointeur sur un enregistrement. Rappelez-vous bien, liste, il représente un pointeur. Donc, type LMA, donc par exemple, un élément, c'est quoi en fait? C'est étoile L, point élément. Donc, pour accéder à mon élément, je fais étoile L, point élément. Pour dire quoi? C'est le contenu de mon pointeur. Le contenu de mon pointeur, c'est quoi? C'est un enregistrement, hein. Rappelez-vous bien, ça, c'est un enregistrement. On va dire ça, c'est un élément. Ça, l'élément, il est là. Donc, L, c'est un pointeur qui pointe sur cet enregistrement. Donc, quand je mets étoile L, tout comme le X, tout comme les autres variables, étoile L,
C'est quoi le contenu pointé par L? C'est un enregistrement. Donc, étoile L, point, élément. Mais il y a une autre façon très générale, très simple de travailler avec. Au lieu d'écrire étoile L, point, élément, je peux écrire tout simplement L, flèche, élément. Ça, c'est l'équivalent de ça. Donc, ça, c'est l'équivalent de ça. Au lieu d'écrire étoile L, point, élément, je mets L, flèche, élément. Ça veut dire l'objet pointé par L, j'accède à son élément. Très bien, maintenant pour créer un nœud, regardez ici, pour créer un nœud, j'utilise la fonction malloc. La fonction malloc, on l'avait vu la dernière fois, elle permet de faire des allocations dynamiques. Une allocation dynamique, c'est quoi? C'est créer une variable dans la mémoire qui correspond au type que j'ai créé. Donc, par exemple, j'ai la fonction créer nœud. Qu'est-ce qu'elle fait? Donc, regardez bien, cette fonction, elle retourne une liste. Elle retourne un élément de type liste. En fait, c'est quoi un élément de type liste? C'est un pointeur sur un élément header. Donc, qu'est-ce que je fais? Liste, elle, reçoit. Regardez bien, l'écriture telle le malloc, rappelez-vous, on écrit ici le pointeur, le type du pointeur. Donc, il a écrit liste. C'est la même chose comme s'il avait écrit ici étudiant, enfin, nœud étoile. Comme écrire nœud étoile, ou bien écrire struct étudiant étoile. Donc, list, malloc, size of, regardez bien, size of nœud. Donc, là, il est en train de créer dans la mémoire un nœud de type nœud. De type, en fait, list, c'est struct étoile. Donc, c'est le pointeur sur nœud. Donc, il est en train de créer ça. Il est en train de créer un nœud de cette taille-là. Donc là, il fait un petit test pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Donc si if L n'est pas égal à nul, if L n'est pas égal à nul, donc plutôt quand on écrit non L, ça veut dire si L égale à nul, donc on dit printf erreur d'allocation. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? On fait return L. Voilà. On va. Là, il y a aussi un élément, tu as ajouté un élément en tête. Très bien, on va voir, on va revenir sur le code blocks pour essayer de voir ça. Pour voir les choses de manière plus concrète. Alors, regardez bien. Quand je mets liste L égale à nul, liste L égale à nul, je suis en train de créer quoi? Je suis en train de créer un nœud, un pointeur sur un élément de type étudiant, que au départ, il pointe sur rien. Donc, je vais dire nul. L'écriture, c'est que j'ai créé une liste vide. Je suis en train de créer une liste vide. Maintenant, pour la remplir, dans le programme ADA, qu'est-ce que je propose à l'utilisateur? Là, j'ai mis while 1 pour dire que le programme boucle infiniment. Ça veut dire que le programme ne s'arrête pas tant que je n'ai pas fermé ma console. Donc là, je vais proposer à l'utilisateur de insérer des éléments dans la liste ou bien de supprimer. Donc, on va voir deux fonctions ici. Il y a la fonction insertion et la fonction suppression. Donc, il y a aussi une autre façon. Vous pouvez tout simplement, comme on vient de voir ici, créer une fonction qui fait, comme on vient de voir, création de liste. Mais là, pour simplifier, j'utilise directement mon pointeur qui commence par nul. Après l'insertion, je l'ai fait ici. Je vais vous montrer comment on fait. Alors, donc, la première des choses, par exemple, je demande à l'utilisateur, je lui dis taper 1 pour insérer un élément, ou bien taper sur 2 pour supprimer un élément. Donc, s'il me tape 2 alors que la liste est vide, ça va lui dire que la liste est vide. On va voir comment on fait ça. Donc, l'insertion, donc s'il tape 1, switch. Donc, switch case, si vous vous rappelez comment ça marche. Donc, le switch, il prend en entrée, il prend ici un paramètre. Et selon la valeur que vous avez donnée ici, je vais soit exécuter ces instructions, soit exécuter ces instructions. Default, c'est quoi? C'est quand la valeur donnée ici n'est ni celle-ci, ni celle-ci. Donc, si par exemple, je tape n'importe quelle valeur autre que 1 ou 2, il va me dire que vous avez fait un mauvais choix. Et il va reboucler ici pour demander à l'utilisateur de donner la même chose. Maintenant, je vais vous expliquer comment elle marche, la fonction insertion. Donc là, puisque j'ai changé la donne, je vais mettre ici un et commercial et je vais vous expliquer pourquoi on a fait ça. Alors là, la fonction insertion,
elle prend en fait comme entrée un pointeur sur une liste. Un pointeur sur une liste. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la fonction insertion, elle permet de rajouter un élément. Donc, il y a, comment vous l'expliquer? Donc, il y a deux façons de rajouter des éléments dans une liste. Il y a deux façons de rajouter des éléments dans une liste. Il y a la politique FIFO, ce qu'on appelle first in, first out, et la politique LIFO, last in, first out. Et je vais vous dire c'est quoi. Donc, supposons que votre liste n'est pas vide, d'accord? Supposons que votre liste, il y a un élément qui pointe là. Qui pointe, ah, il y a un autre pointeur qui pointe, ça, c'est nul. Je vais faire cas. Quand je fais comme ça veut dire c'est nul. Donc, Hadouma, les éléments, t'es away. Donc, la première politique qui est FIFO, FIFO c'est quoi? First in, first out, ça veut dire le premier que j'ai rajouté, c'est le dernier qui sort. Je vais vous expliquer où je m'intéresse. Quand j'insère un nouveau élément, ma fonction va faire quoi? Elle va créer ici un nœud et ce nœud-là, il va être rajouté à la fin de la liste. Donc, en fait, le dernier élément, il va pointer sur le nouveau nœud que je viens de créer. Et le nouveau nœud, il va pointer ici sur nul. Voilà, je vais dire first in, first out. Pourquoi? Parce que le premier que je rajoute, les wahada, ça c'est la tête de la liste. Hein, rappelez-vous bien. Ça c'est la tête de la liste. On va dire L. Ça c'est L. Donc le premier que je rajoute, quand je lis une liste, je la parcours, c'est en fait le premier que je lis. Donc, à dire la liste, et ça c'est le premier élément, deuxième élément, troisième élément. Donc, quand je vais parcourir ma liste, je vais parcourir le premier, deuxième, troisième. Ça c'est le premier que j'ai rajouté, deuxième que j'ai rajouté, troisième que j'ai rajouté. Ça c'est le FIFO. On appelle ça FIFO. Donc, first in, premier entrée, premier sortie. First in, first out. Très bien, maintenant. Une autre façon, là je schématise, après je vais vous expliquer le programme, comment il marche. L'autre façon, on l'appelle LIFO, Last In, Last Out, which means. Donc supposons, à dire la liste, comme. Mais allez, je fais deux éléments, je prends deux éléments pour simplifier l'explication. Ça peut être aussi un seul élément. Hein. Alors, which means LIFO, donc ça c'est votre L, votre liste, et ça il pointe vers le deuxième élément. Donc, quand je rajoute un élément ici, donc là où est le noté, ça c'est un nouveau élément que je veux rajouter à cette liste. Où je n'ai la politique LIFO, c'est que ce nouveau nœud, il va pointer sur la tête et la tête, je vais enlever ça, va repointer sur le nouveau nœud. Donc ça c'était le premier, ça c'était le deuxième. Où donc ça. J'enlève. Hadaï ou les premiers. Hadaï ou les deuxièmes. Ou Hadaï ou les troisièmes. Donc en fait, j'ai une liste LIFO. Donc le dernier que j'ai rajouté, ça c'est le dernier que j'ai rajouté, il devient le premier à sortir quand je parcours la liste. Donc ça, c'est LIFO. Last in, first out. Très bien, on va voir ça dans la programmation. On va concrétiser ça dans la programmation. J'espère que tout le monde a compris ce qu'on est en train de faire. Ça nécessite la concentration pour pouvoir comprendre. Et la schématisation, ça aide à comprendre. On va voir comment on a implémenté notre fonction insérée, notre fonction insertion. Alors, voici comment marche la fonction insertion. Donc la fonction insertion pour ce cas-là, donc regardez bien, il y a deux façons de faire aussi. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer ma manière de faire d'abord. Là, j'ai utilisé une fonction void. Vous pouvez aussi utiliser une fonction qui retourne un pointeur. Là, on travaille avec le void. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on a fait. Donc la void insertion, elle prend en entrée, regardez, je n'ai pas mis ici liste E, j'ai mis liste étoile E. Liste étoile E, maintenant je prends l'adresse d'une liste. Je prends l'adresse d'une liste. Je vais vous expliquer pourquoi. Avant de voir le code, je vais vous dire pourquoi ici je prends l'adresse d'une liste et non pas la liste elle-même.
Je reviens vers mon Word pour vous expliquer. Donc, suivez avec moi attentivement. Donc, supposons Hadi à la liste 1. Ça, c'est la liste. Hadi, c'est le L. D'accord. Le L, ça, c'est un pointeur sur un élément. Donc, la liste, c'est quoi? C'est la hadas, il pointe sur la tête de la liste. Donc, supposons un autre pointeur. Et ici, vous avez un troisième pointeur et ça s'arrête là. Donc, ma fonction insertion, il est la fonction T, fonction. Quand je lui donne ici un élément, rappelez-vous bien la fonction, si vous donnez une variable. Si vous donnez une variable, il va faire quoi? Il va faire une copie. Si par exemple, je donne ici liste L, si je donne liste L, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la valeur qu'il y a dans ce pointeur-là, la valeur qu'il y a dans ce pointeur-là, il va faire une copie à l'IA. Donc, il va faire une copie à l'IA. Donc, regardez bien, quand il va faire une copie, maintenant, il est L'. Donc, le L', il est égal à L. C'est une copie, elle est à l'intérieur de la fonction. Quand je travaille avec le L, c'est comme si je travaillais avec L'. Retenez bien ça. Le L', il pointe sur ça aussi. Donc, quand je suis en train de travailler, je travaille à travers ce pointeur-là, qui lui pointe sur ça. Donc, la valeur qu'il y a ici, elle est ici. Mais c'est une copie. C'est pas la même chose. Donc, quand je travaille... Donc, quand je modifie, par exemple, la tête, je vais rajouter un nœud à la tête, par exemple, supposons Hada Hua, et que je veux la liste à être où les Hada, et où les Hada premier élément, Hada deuxième élément, Hada troisième élément, ou Hada quatrième élément. Donc, Habit où les la liste à Hada, le L où les pointer sur ça. Sauf que, si j'utilise les fonctions, et que je ne travaille pas avec les adresses. Si je ne donne pas la référence de ce pointeur-là, qu'est-ce qui va se passer? Quand je crée ici une copie, en fait, je vais travailler sur le L', qui est une copie de L. Et quand je rajoute mon nœud et que je veux faire pointer le LT sur ce nœud-là, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce n'est pas le L qui va pointer, c'est sa copie. C'est le L' qui va pointer ici, sur l'élément et le reste, et on continue. Donc, qu'est-ce qui va se passer à la sortie de cette fonction? Si je sors de cette fonction et que je reviens en main, j'aurai perdu le L', je reviens vers le L, et le L, il pointe toujours sur le deuxième élément, je ne l'ai pas modifié. Donc, il y a quelque part dans la mémoire un élément 1 qui a été pointé par la copie de L dans la fonction, mais qui n'a pas été enchaîné vers le L. Donc, pour pouvoir régler ce problème, qu'est-ce que je fais en fait? Je reviens pour vous expliquer. En entrée, paramètre d'entrée ici, je donne en fait l'adresse. Donc, pour donner une adresse, je mets une étoile ici. Donc, liste étoile L. Où je mets une liste étoile L? Je donne l'adresse d'un pointeur. Je donne l'adresse de ce pointeur-là. Et donc, quand je travaille ici, quand je mets étoile L à l'intérieur, ce que je suis en train de modifier, ce n'est pas la copie, je suis en train de modifier le pointeur que j'ai donné en entrée. Est-ce que vous pouvez me dire si vous avez compris à être le point? C'est très important de faire moins de points pour le reste de l'exercice. Très bien. Voilà, il y a la différence. Donc, rappelez-vous bien, une fonction, quand vous donnez un élément, quand vous donnez une variable, ça fait une copie. Vous travaillez dessus. Vous sortez la copie, elle est dans la mémoire, mais elle n'est pas sauvegardée dans le main. Pour pouvoir modifier la donnée que vous donnez, vous devez donner l'adresse de la variable, non pas la variable en elle-même. Donc, je veux modifier ça, je donne son adresse, donc L étoile L, et je travaille avec le étoile ici. Très bien. Je reviens vers mon programme pour vous expliquer la suite de l'exercice. Donc, la fonction insertion, qu'est-ce que je fais dans mon programme? Je vais créer un nœud, donc un maillon que je vais rajouter. Donc, je vais dire, regardez bien ici, étudiant étoile nouve,
Donc regardez ici, j'ai fait étoile nouve. J'aurais pu ici écrire liste nouve directement. LH, parce que étudiant étoile, c'est liste. Étudiant étoile, ou est liste. Mais là, pour simplifier, pour voir en fait, pour vous expliquer ce que je suis en train de faire, j'ai préféré écrire la notation originale. Donc, on a étudiant étoile nouve, je crée un pointeur de type étudiant de cet enregistrement et je fais un malloc. Le malloc, il marche comme ça. Donc, je spécifie le nom de le type de mon élément suivi d'une étoile et malloc pour dire allouer dynamiquement et je fais size of étudiant. Donc là, j'ai créé comme ça un élément étudiant qui contient un pointeur, bien sûr. Après, je demande à l'utilisateur donner le nom de l'étudiant. Et je vais lire le nom de l'étudiant. Scanf, nouv. Je mets dans le nom. Rappelez-vous bien à l'écriture avec les flèches. C'est la même chose de dire étoile nouv. Après, je vais demander sa moyenne, donner sa moyenne et je vais lire sa moyenne. Très bien. Maintenant, pour ajouter. Pour ajouter, pour remplir ma liste, il faut un test. Le test, c'est quoi? Je vérifie si ma liste n'est pas nulle. Pour vérifier si ma liste n'est pas nulle, regardez bien ce que je fais. If étoile E, ce que je viens de vous expliquer. Je n'ai pas mis E, j'ai mis étoile E. Étoile E, c'est quoi? C'est le contenu de l'élément de l'adresse que je viens de donner. D'accord? J'ai donné en entrée adresse de L. Le L, ou le pointeur T sur ma tête. J'ai donné son adresse. Pour accéder à son contenu, je mets étoile E. Donc étoile L. Vous voyez combien ici? Regardez. Ça, c'est le L. Ça, c'est la L. Le L, qu'est-ce qu'il contient? Il est supposé contenir l'adresse du premier élément, tête. Donc, je vais dire ADR, tête. ADR, tête. La variable, hein, y a le contenu TH. Ça, c'est la case. Et supposons aller à l'adresse TH, Y. Y, c'est l'adresse. L, c'est le nom de la variable. ADRT, c'est le contenu TH. Qu'est-ce que je donne en entrée? Je donne en entrée l'adresse TH de la variable. Les hiyoshinu, je donne Y. En fait, head la variable, head la fonction, elle prend le Y, elle ne prend pas le contenu, elle prend le Y. Pour accéder au contenu head, je fais étoile Y. Donc, étoile E, il y a le contenu à l'adresse. Donc, je fais étoile nouv, étoile E, est-ce qu'il est égal à nul? Maintenant, est-ce que ma liste elle est vide? Si ma liste elle est vide, qu'est-ce que je fais? Le étoile E, il va pointer sur nouveau. Yanné, si ma liste elle est vide, le nœud que je viens de créer ici, le étoile L, yanné, l'adresse T, l'ikainahna, il va contenir l'adresse T. Donc il devient la tête. Hada, il devient la tête. Qu'est-ce que je fais ensuite? Nouve, suivant. Yani le suivant hada, nul. Pour l'instant, il n'y a rien. Ça, c'est dans le cas où la liste elle est vide. Hein. Vous avez compris? Maintenant, else. Où je mets le else? Si la liste n'est pas vide, maintenant, si la liste elle contient déjà des éléments, qu'est-ce que je vais faire? Là, je veux faire une insertion FIFO. Où je mets je veux insérer à la fin. Donc, il y a quand la liste est vide. Je vais effacer ça. Il y a quand la liste est ici. Par exemple, il y a deux éléments. Ou هذا هو le L. Le L pour la fonction c'est étoile. Hein? D'accord. Faites attention. En dehors de la fonction, c'est L parce que c'est la variable. À l'intérieur de la fonction, c'est étoile. Je prends le contenu à l'adresse TH. Très bien. Donc, si je veux rajouter ici, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Je dois parcourir ma liste. لازم نمشي. Hop. نمشي 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 jusqu'à ce que j'arrive ici, jusqu'à ce que j'arrive au dernier élément. Ensuite, le dernier élément, le suivant تاعو نحط فيه l'adresse du nouveau. Pour pouvoir faire ça, qu'est-ce que je fais dans mon programme? Je vais utiliser une variable intermédiaire. Là, j'utilise une variable intermédiaire parce que
Si je travaille avec le étoile E, je vais perdre l'adresse HTA. Si je suis en train de faire parcourir, d'abord je vais expliquer qui fait chiffrer le parcours. Si je suis en train de parcourir ici, je perds l'adresse. Alors, le parcours, comment il marche? Donc, regardez bien. Tant que T, yani ma tête, au départ, c'est ma tête. Tant que mon pointeur suivant n'est pas égal à nul. Tant que mon pointeur suivant n'est pas égal à nul, je fais T reçoit T suivant. On va voir ça. On va schématiser ça pour bien comprendre. Regardez comme l'exemple. Donc, Aulik, supposons à dire votre chaîne. Fait à 3 nœuds. Donc ça, il pointe vers ça. Ça pointe vers ça. Donc, là, où est le L? Moi, je vais utiliser une variable intermédiaire, un pointeur intermédiaire, les T. T. Le où je le N, T, la valeur. Hein. Donc le T va pointer sur ça. Très bien. Pour parcourir, Washington. Tant que T, point suivant, il y en a un. T, flèche suivant. Hada, c'est T, flèche suivant. C'est difficile d'écrire avec un souris. T, flèche suivant, Hada, ou tant que Hada n'est pas égal à nul, ou je m'entends, tant que je ne suis pas à la fin, parce que Hna, c'est nul. Hna qui est nul. Tant que T, flèche suivant, n'est pas égal à nul, T reçoit T, flèche suivant. Je m'entends, le pointeur, il y a Hna, il y a T. Ou je m'entends, il voulait T pointer là. D'accord. La même chose. T, flèche suivant. Le T qui est là, est-ce qu'il est égal à nul ou pas? Non, il n'est pas égal à nul. Le pointeur qui est là, je le mets dans le T. Ou si vous voulez, le T est pointé là. Après, est-ce que le T, flèche suivant, égal à nul? Oui. Donc, je suis arrivé à la fin. Donc, le T, il est là. Le T pointe sur cet élément-là, à la fin. Et le T flèche suivant, il est égal à nul. Est-ce que c'est clair? Est-ce que le parcours d'une liste est clair pour vous? Il y a Ibtissam qui dit que c'est pas clair. Bon, je répète. Bon. Je vous ai dit, pour parcourir la liste, on utilise des pointeurs. Donc, vous avez ici une liste. Je vous la dessine ici. Fait à trois éléments seulement. On va dire trois éléments pour cette fois. Donc, c'est le premier élément. C'est le deuxième élément. C'est le troisième élément. Chaque élément pointe sur le suivant. Il pointe sur ça. Il pointe, il contient son adresse. À l'intérieur de son champ, il contient l'adresse du suivant. Il pointe sur Hada. Ou Hada, il pointe sur nul, il pointe sur rien. Pour parcourir, du premier, deuxième, troisième. J'ai besoin de quoi? Pour parcourir, j'ai besoin de l'adresse de la tête. L'adresse de la tête, l'IA, c'est L. L, c'est quoi? C'est un pointeur, flacasteo, qui contient l'adresse, c'est le premier élément. Yani, adresse du premier élément. Yani, Hada, il pointe sur ça. Très bien. Maintenant, pour parcourir, dans mon programme, j'ai utilisé un pointeur intermédiaire. Là, j'ai utilisé un pointeur intermédiaire parce que si j'utilise le L, parce que je mets du mise à jour. Les pointeurs, ils ont des mises à jour, ils ont les valeurs. Donc, je vais utiliser un pointeur intermédiaire T. Nous avons l'adresse, c'est-à-dire le T, il voulait pointer en fait sur le premier élément. Pour parcourir, où je mets je passe d'une adresse à l'autre. Je passe d'une adresse à le T, ah oui, pointé sur l'adresse T. Si il pointait sur le deuxième, il faut lui l'adresse T, le deuxième. Si il pointait sur le troisième, il faut lui l'adresse T, le troisième. Comment je fais ça? Comment je donne l'adresse? Je le donne à travers le champ qui est là. Le champ derrière l'enregistrement. Donc, il y a pour le T, il pointe sur le 2. Ou Shendel, un ANDL en fait. Là, je fais T reçoit T flèche suivant. Donc là, mon clavier m'affiche la flèche. Là, je vais dire comme ça. Regardez, hop, flèche
et je vais dire suivant. Donc T reçoit flèche suivant. Je mets un had l'enregistrement, T, had l'adresse, elle va recevoir l'élément qu'il y a là, qu'il y a dans ce champ. Où je mets un le T, où il est pointé tout simplement, où il est pointé là. Donc maintenant pour parcourir, je dois avoir le. Parce que la fin, le dernier élément qui est nul ici. Donc pour pouvoir parcourir la liste, la programmation, j'écris quoi en fait? J'écris tant que. Ici j'écris. Tant que. Rappelez-vous, la boucle tant que, elle marche tant que c'est vrai. Tant que T, yani hadi, T flèche suivant, n'est pas égal à nul. Yani tant que, mais elle part vers la fin, je parcours. Pour parcourir, je fais T reçoit hadi, T reçoit T flèche suivant. Yani le T, un premier temps, il pointe là. Kinder T, reçoit T flèche suivant, T où les pointés là. Kinder T reçoit T flèche suivant, n'appelle hava, T où les pointés sur le troisième. Kinder T reçoit T flèche suivant, le T reçoit nul. Yanné le T suivant reçoit nul. Saha. Est-ce que c'est compris maintenant? Ok, on revient vers le programme pour voir le reste. Donc là, j'ai pratiquement utilisé ça. Donc là, tant que T flèche suivant n'est pas égal à nul, je fais un parcours. T reçoit T flèche suivant. À la fin, Kamel, quand je sors avec un T. Le T, c'est le dernier élément. D'accord? Qu'est-ce que je fais? Le dernier élément, flèche suivant, il va recevoir un nouveau. Il va pointer sur le nouveau pointeur. Sur le nouveau élément plutôt. Et après, je fais nouveau flèche suivant, reçoit nul. Je reviens ici pour schématiser ça. Je schématise ça. Donc, supposons une liste fait à trois éléments. Je vais dire hada, le T ibdamna. Donc, le T ou le L. Donc, le hada, c'est le T. Ça pointe vers ça. Ça pointe vers ça. Et ça, il pointe vers nul. Je fais flèche. X maintient nul. Qu'est-ce qui se passe? Anaya, dans ma fonction, je vais utiliser une couleur ici. J'ai créé un nœud. Hada ou smu nouv. Hada, c'est le nouv. Ok. Nouv. Hada, c'est le E. Hada, c'est le V. Ça. Hada, c'est le nouv. Il contient des éléments que j'ai remplis. Je vais demander à l'utilisateur, je cherche à la rajouter à cette liste. Qu'est-ce que je fais? Je vous ai dit, je parcours. Donc un T, il pointe ici à l'ouil. Après, il est pointé ici. Donc il est pointé ici. Quand je fais T reçoit T flèche suivant, il y a l'élément qui est pointé ici. Il est pointé ici. La même chose. Cet élément, je le mets là. Il est pointé ici. Et après, le T flèche suivant égal à nul. Maintenant, je suis arrivé à la fin. Pour ajouter ce nœud, qu'est-ce que je fais? Tout simplement, le nœud de fin, le pointeur suivant, je le pointe vers Hada. Yanné, en fait, je fais T suivant, yanné, T flèche suivant, les Hada, reçoit nouve. Et vous les pointez sur ça. Et pour marquer la fin de la chaîne, le nouveau flèche suivant reçoit nul. Donc, il est pointé sur rien. Donc, il est pointé sur rien. Il est pointé sur ça. Et celui de la fin, il pointe sur rien. Est-ce que vous avez compris? Ok, là, je fais T flèche suivant reçoit nouveau qu'on vient de voir et nouveau suivant reçoit nul. Ce qu'on vient de voir ici. Très bien, c'est l'insertion. Ok, maintenant on va aller voir deuxième fonction qui fait la suppression. La suppression, c'est en fait quoi? La suppression,
Je vous explique, Hanaya, c'est quoi en schéma d'abord. Je reprends la même chose. Par exemple, je prends ici une liste qui contient, on va dire, quatre éléments, pour l'exemple. Donc, Hada, il pointe sur ça. Hada, il pointe sur ça. Et Hada, il pointe sur ça. Maintenant, quand je veux supprimer un élément, je peux supprimer n'importe quel élément de Hada. N'importe quel élément, je peux le supprimer. Comment je fais? Si je veux par exemple supprimer la tête c'est le L, hein? Si je veux supprimer la tête, tout simplement, la tête, il voulait pointer sur ça. Et je casse le lien. Il voulait indiquer la liste d'Amina, et comme ça. Donc j'ai ces trois éléments. Là, j'ai supprimé la tête. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Je change le pointeur initial. Le pointeur initial, où je n'attends tout simplement le L suivant. Dakhel, c'est étoile L, reçoit étoile. Parce qu'elle est peut-être étoile, parce que si je travaille avec les fonctions, je mets les étoiles pour accéder au contenu. Étoile L, flèche, suivant. Donc, Hada, la tête, Hada, tout simplement, il voulait pointer sur ça. Là, j'ai supprimé la tête. Deuxième chose, si je veux supprimer un pointeur intermédiaire, par exemple, je veux supprimer Hada. Qu'est-ce que je fais? Je dois parcourir, par exemple, si... Je donne un exemple mieux, mais je te fais le concept, le parcours. Parce que là, il est simple. Trois éléments, il est simple. Le premier élément, il voulait pointer sur le troisième. Elle dit ça là. Mais par exemple, si j'ai plusieurs éléments, imaginez, j'ai ça. Hada est pointé sur ça. Hada est pointé sur ça. Hada sur ça. Ou Hada sur ce cinquième. 1, 2, 3, 4, 5. Supposons que je veux supprimer Hada. Ma liste, elle commence par là. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire pointer Hada au lieu qu'il pointe sur ça et où il est pointé sur celui-là. Et je casse. Plutôt non. Hada où il est pointé sur celui-là. Et je casse en fait Hada le lien. Je casse le lien Hada et le lien Hada. Comment on fait ça? On doit parcourir la liste. On doit parcourir la liste jusqu'à ce qu'on arrive ici. Donc, par exemple, si j'utilise un T, le T pointe sur sa première fois. T reçoit flèche suivant là. Il faut aussi instaurer des conditions d'arrêt pour voir, d'après le besoin de l'exercice. Je vais revenir sur l'exemple T. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Donc là, je m'arrête là. Le T où il est pointé sur ça. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, en fait, regardez bien l'écriture. Je vais écrire ça. Je vais écrire quelque chose de très intéressant. Je vais écrire T, flèche, là c'est flèche, hein, parce que clavier T est ma flèche. Suivant. Donc Hada, qu'est-ce qu'il va recevoir en fait? Il va recevoir T, flèche suivant. Entre parenthèses, flèche suivant. Non, pour le coup, moi, je m'attends à l'écrire. Flèche suivant. Donc, ici, le pointeur Hada, donc le T flèche suivant, T ou les Hada, donc Hada, il est pointé sur celui-là. T flèche suivant, les Hada. Je prends en fait le suivant Tao, les Houahada. D'accord. Donc le suivant Tao, les Houahada, c'est celui-là. T flèche suivant, c'est celui-là. Et le suivant Tao, les Houahada. Qu'est-ce que je fais? Le T flèche suivant qui était là, je lui donne Hada. Donc je lui donne ça. Est-ce que vous avez compris? Ok, Elias Dubana me demande de répéter. Très bien, ok. Je répète, je vais supprimer ça pour bien expliquer. Dommage que j'ai pas un stylo pour tactile pour bien expliquer. Alors, je répète. Pour supprimer, il y a plusieurs cas. Donc là, je vous donne le cas, tu as supprimé un pointeur qui est au milieu. Ou bien la même chose, parce qu'il peut s'appliquer aussi à tous les cas. Alors, enfin, il y a deux cas.
pour concrétiser. Il y a la tête, parce que la tête, c'est important pour la fonction supprimer. Parce que si vous ne prenez pas en compte la tête, vous risquez de perdre le pointeur. Et il y a la suppression à n'importe quel endroit, à n'importe quel autre endroit. Là, je vous explique. Une liste chaînée qui commence par L. Donc, là, c'est le premier maillon, deuxième maillon, troisième maillon, quatrième maillon, cinquième maillon. Supposons que je veux supprimer Hadaya. Sémantiquement, qu'est-ce qu'on est en train de faire pour comprendre ensuite la programmation? Sémantiquement, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je me supprime Hada. Tout simplement, j'oriente le pointeur. Le pointeur Hada au lieu qui pointe là, et où il est pointé sur le suivant Hada, et où il est pointé sur celui-là. Et donc, j'ai cassé Hada le lien. Quand je modifie Hada le pointeur, et que je lui donne l'adresse Hadi, donc j'ignore le troisième. Je l'ignore dans la mémoire et je peux en fait donc donner des loops free en utilisant l'allocation dynamique. Pour pouvoir faire ça, je dois parcourir la liste jusqu'à arriver à l'avant, au maillon avant, l'avant de celui que je veux supprimer. L'avant, le nœud avant de celui que je veux supprimer. Par exemple, je veux supprimer le 3, le 2. Si je voulais supprimer le 4, le 3. Dans cet exemple, là. Donc, je parcours. Je commence par là, T. Ensuite, T reçoit place suivant, je suis là. Ça, qu'est-ce que je fais? Quand je suis là, je vais utiliser head instruction. Head instruction, je mets T flèche suivant. Je mets T flèche suivant. Head le champ. Là où est T flèche suivant. Je vais le modifier. Égal. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Les amis, reçoit head l'adresse. Head l'adresse, elle représente quoi? C'est en fait quoi? Le T flèche suivant courant. Courant, yani. Head. J'accède à sa case. Et il me met le suivant T. Donc T flèche suivant, flèche suivant. T flèche suivant, ben, je n'ai des head. Flèche suivant, ça veut dire head. Et je prends head l'adresse, je la mets là. Quand je prends cette adresse, je la mets là, hada, et vous les pointez sur ça. Est-ce que c'est clair maintenant? Très bien. Maintenant, je vais revenir vers l'exercice pour voir ce qu'on a fait, pour voir ça. Très bien. Pour suppression, on a la fonction suppression. Après, je vous explique la fonction affichage. Alors, la fonction suppression. La même chose, je prends en entrée un pointeur, une liste, et là je vais dire si elle est nulle, maintenant la liste est vide, aucun élément à supprimer. Très bien. Else, maintenant la liste n'est pas vide, il y a des éléments à supprimer. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire un parcours. Liste T reçoit étoile L. Donc là, regardez ce que j'ai utilisé. J'utilise un pointeur T qui commence avec la tête et un pointeur qui s'appelle précédent, qui commence avec T. Au départ, tous les deux, hop, le T à Wena et le précédent à Wena, au départ. Found, j'utilise une variable ici, found égale 0. Donc, dans cet exercice-là, dans ce programme, je vais demander à l'utilisateur, donnez-moi le nom de l'étudiant que je veux que vous voulez que je supprime. Donc, c'est ça, en fait, le programme, ce qu'il fait. Maintenant, j'utilise une variable ou found pour dire que est-ce que j'ai trouvé ou là là là. Ça. Là, je vous donne un exemple. Ça, là où la liste est. Supposons par exemple que, hop, je vais faire ça. Supposons qu'elle a qu'un A, elle a qu'un B. Les noms, hein, je veux dire, pour simplifier, c'est ça qu'un C. Le nom A, le nom B, le nom C. Je veux supprimer le nom B. D'accord. Je vais dire quel est le nom de suppression. Scanf, hop, je lis B. Donc, en fait, mon programme, il va parcourir la liste, il cherche le nœud, l'effet, le nom B. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien. Tant que T n'est pas égal à nul, tant que l'élément T n'est pas égal à nul, il y en a T, and found égale 0, tant que je ne suis pas arrivé à la fin et tant que je n'ai pas trouvé l'élément, je fais un parcours. Je fais if
STRCMP, STR Compare, donc STRCMP, rappelez-vous, c'est en fait la fonction qui compare deux chaînes de caractères. En gros, c'est ça. Donc, la chaîne de caractères T, hop, je vais écrire ici C. Donc, si ma chaîne de caractères que j'ai entrée est égale à la chaîne de caractères qui est contenue dans le nœud, maintenant j'ai trouvé. Donc, qu'est-ce que je fais en fait? Regardez. T flèche non, donc le T est bien maintenant. Donc est-ce que le T flèche non avec la valeur que je viens d'entrer, les B, est identique? Là, là, elle n'est pas identique, mais en tête, je n'ai pas trouvé. Qu'est-ce que je fais? Je vais vers le else. Je fais précédent reçoit T, reçoit et je fais T reçoit T flèche suivant. T et où les pointer sur ça. Donc, et je fais et plus plus, c'est pour afficher. Et plus plus, c'est juste pour afficher le nombre de nœuds que j'ai. Ça, c'est facultatif. Donc, là, quand je sors de cette boucle une première fois, dès le P, le précédent Hadam, il pointe sur le T, les Hadam, qui est initialement la tête, et le T va recevoir T flèche suivant, le T où il est et où il est là. Je refais la même chose. If str compare t flèche non, yani هذا le nom là contenu dans est-ce que b est le b que je viens de rentrer, là je vais écrire b comme ça, hein, et le b que je viens de rentrer, est-ce qu'ils sont identiques? Oui. Donc qu'est-ce que je fais? Found égale à 1. Found égale à 1, je mets un thème, maintenant j'ai trouvé moi la valeur que je cherche. Qu'est-ce que je fais quand je reboucle? Found égale à 1, donc je fais pas la boucle, je sors de la boucle. Ça, si je sors de la boucle, je vais tester à nouveau. Elle échappe le test parce que si je n'ai pas trouvé et que je suis arrivé à la fin, donc ça sert à rien de faire aucune modification. Ça sert à rien de faire des modifications parce que je suis à la fin. Aussi simple que ça. Donc j'ai pas trouvé l'élémentaire et j'ai rien à supprimer. Donc si found égale à 1, qu'est-ce que je fais? Je vais faire un test. Je vais tester est-ce que c'est la tête? Est-ce que je l'ai trouvé dans la tête? D'accord. Je vous ai parlé sur le cas où l'élémentaire il est dans la tête. Donc, if t, les le pointeur intermédiaire ou bien le pointeur avec lequel je cherche, hein, le pointeur avec lequel je cherche. Est-ce que t égale à l étoile L, est-ce que c'est la tête? Qu'est-ce que je fais? Suppression du premier élément. J'affiche, c'est un affichage comme ça, pour me dire où on en est là. Et qu'est-ce que je fais en fait? Étoile L reçoit T flèche suivant. Tout simplement, le L, il y a la liste initiale, tout lit pointé sur l'élément suivant et je casse le lien. Donc, étoile L reçoit T flèche suivant. Else, yani ce n'est pas la tête, le deuxième cas dont je viens de vous parler, je dois utiliser en fait le précédent, comme je vous ai expliqué. Alors, donc, suppression du im élément. Là, j'ai voulu afficher, je vais dire l'élément numéro i. Il a qu'un 1, 2, 3, donc je supprime l'élément numéro 2 ici. Okay? Parce que i qui commence de 0, donc 1, 2, 3. Donc qu'est-ce que je fais? Précédent flèche suivant. Ok, précédent flèche suivant, les voix. Maintenant, elle va me dire free. Oui, on peut. Free, je vous expliquer. Free, c'est une manière d'organiser les choses. Free, c'est pour libérer une mémoire dont on n'a pas besoin. Mais si tu ne la fais pas, ça marche aussi. Parce que c'est pas free qui casse le lien. Hein. Le free ne casse pas le lien. Les liens, on les casse avec les pointeurs. Le free ushmenta. Le free menta, la case mémoire, la variable qui contient les éléments, je la vide, c'est tout. Mais les liens, je les casse avec les pointeurs. OK? C'est facultatif. On va dire que c'est une manière d'organiser, ergonomique, d'arranger la mémoire, ou d'organiser la mémoire. Mais comme ça marche aussi. Hein. Alors là, qu'est-ce que je fais?
Donc je fais précédent au flèche suivant, les huwa hada, parce que le T est rawhna, alors le 2, alors le B, et le T, le précédent rawhna. Qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je fais précédent flèche suivant, les huwa hada, reçoit T flèche suivant, reçoit hada. Donc le A, il est pointé. Donc ce qu'il y a ici, je le mets là. Donc le A, il est pointé sur le C, et je casse hadouma les liens. Après, bien sûr, je peux faire free T. Free, donc je peux libérer cette mémoire. D'accord, c'est facultatif. Très bien. Else, votre nœud n'existe pas. Le else hada, c'est le est found. Hein. C'est le found. Le if found égale à 1, je fais le traitement T. Si le found égale à 0, mais je n'ai pas trouvé, je dis que le votre nœud n'a pas été trouvé. Est-ce que tout le monde a compris ce que je viens de faire ici? D'accord. Maintenant, je vais vous montrer la fonction qui affiche les éléments d'une liste. Elle est très simple. Il n'y a pas plus simple. Donc, la fonction qui affiche, donc, c'est une fonction void qui prend en entrée une liste. Regardez bien, là je n'ai pas utilisé les pointeurs. Là, je n'ai pas utilisé les pointeurs parce que je ne vais pas modifier. Je ne vais pas modifier. Je peux faire une copie. Donc, la fonction tel, elle peut faire une copie de la liste originale. Il y a par exemple, il y a le L, il pointe sur une liste. Supposons, là, je vais pour simplifier. Il y a la liste L. Hein. Donc, il pointe sur ça. Je peux tout simplement appeler la fonction affichage qui prend une copie à L. Donc, je mets la copie, maintenant, il va hop, pointer vers là. Donc, et je parcours ma liste. Normalement, et j'affiche le plus normal possible et je n'ai pas besoin d'utiliser de pointeur intermédiaire. Donc, qu'est-ce que je fais? If E. La liste est vide, printf, la liste est vide, else, je vais faire un affichage. Pour faire un affichage, je dois faire un parcours. Donc, tant que E n'est pas égal à nul, ok, tant que je ne suis pas arrivé à la fin, tant que je ne suis pas là, concrètement, parce que le dernier nœud il pointe vers nul, comme ça, donc tant que je ne suis pas arrivé à la fin, je vais afficher, je vais faire regarder, printf, affichage du nœud i plus 1, on a pour juste donner un nombre. J'affiche le nom, donc regardez, je fais printf e flèche nom. J'affiche la moyenne, printf e flèche moyenne. Et regardez ce que je fais, là j'ai juste voulu écrire d'une autre façon. J'ai fait e reçoit étoile e point suivant. C'est la même chose que d'écrire. Ça c'est l'équivalent de dire e reçoit e flèche. Oui. Copier la flèche ici, flèche suivant. Donc ça, c'est tout à fait la même chose. Je vous ai expliqué tout à l'heure qu'en fait, à l'écriture, quand vous mettez étoile E, c'est le contenu tel le pointeur, l'élément. Point suivant, j'accède à son champ. C'est la même chose de dire E, flèche suivant. Voilà, ça c'était pour l'affichage. Donc normalement, on a vu on a vu toutes les fonctions nécessaires que vous devez comprendre pour pouvoir manipuler les listes. Après, bien sûr, il y a d'autres façons de faire. Je vous ai dit que pour, par exemple, l'insertion Naya, vous pouvez aussi travailler. Par exemple, je vais vous expliquer Naya, supprimer là. Vous pouvez aussi donner ici la liste en entrée. Vous allez donner, en fait, machine le pointeur à la liste, mais vous allez donner la liste en elle-même, vous allez donner le L. Je peux mettre ici liste L et à la place de void, je vais retourner en fait un pointeur. Je vais dire ici liste, je vais écrire liste, insertion, voilà. Donc là, je travaille. Je peux ici déclarer, je vais déclarer ici un pointeur intermédiaire au smoothie, ou bien même je peux travailler avec celui qui est là, hein, parce que c'est une copie. Je travaille avec le E qui est là. Là, je ne mets pas de E, je ne mets pas de étoile, j'écris seulement le E parce que je travaille avec la variable, hein, je travaille avec la copie, d'accord? Je suis en train de travailler avec la copie elle-même. Je travaille et à la fin, la même chose, hein, à la fin, tout simplement, je mets ici comme ça. À la fin, je vais écrire ici return E ou bien return E ou bien return la variable intermédiaire. Voilà. Et dans la fonction fillMain, le main ici, je peux écrire ça, c'est tout à fait la même chose, hein.
je peux écrire la fonction insertion, l'appel teha, je mets elle reçoit insertion, mais là, ce n'est pas la peine de donner l'adresse, je donne tout simplement le elle. Ou je donne la copie de mon pointeur, je travaille sur la base de la copie, je fais les manipulations dont j'ai besoin, et après, à la fin, je fais retourner avec la copie, je retourne avec la copie. Et je la mets dans mon pointeur original. Yani le L, il va recevoir l'adresse de la copie. Là, pour schématiser vraiment brièvement, par exemple, là où le L, je donne pour la fonction, yani insertion L. Yani quand je travaille à l'intérieur, le L, c'est une copie en fait. Hein. Je vais appeler la L étoile. Had le pointeur qui il est continu là. Je travaille ici. Hop. Je rajoute, je peux supprimer, je peux faire ce que vous voulez. Après, à la fin, je retourne head le pointeur ici avec ça. Elle reçoit insertion de elle. Donc ça voit la différence. Ok, remarquez aussi un truc important, c'est que dans ma fonction, regardez ici, affichage, j'ai donné étoile L pour déterminer est-ce que vous devez mettre étoile ou là, vous devez mettre et commercial ou là, vous devez mettre la variable, vous devez comprendre ce qu'on est en train de faire. Si la fonction TACOM, elle prend la variable. Si elle prend la variable, maintenant vous allez donner le contenu. Si elle prend une adresse, vous allez donner un pointeur ou là vous les allez donner adresse de la variable. Dans ce cas-là, j'ai donné étoile L. Pour ce cas-là que je viens vous expliquer, je mets L. C'est le L qui marche. Mais il y a un autre cas. Si on retache un affichage de étoile L, par exemple, c'est dans le cas win, ma fonction, la fonction main ici, au lieu de travailler avec le L ici, je peux travailler avec list étoile L directement, avec le pointeur sur une liste, list étoile L. D'accord. Mais je dois aussi utiliser un malloc. Je vous explique. Mon élément, mon champ étudiant. D'accord. Ça, c'est étudiant. La liste, c'est quoi? C'est un pointeur sur ça. Donc, quand je crée seulement liste L, je déclare un pointeur sur ça. Quand je fais liste étoile L, je déclare un pointeur qui pointe sur le pointeur T. Ça paraît un peu compliqué, mais c'est ça en fait. C'est un pointeur qui pointe sur ça. Ça, c'est une case mémoire qui contient lui-même un pointeur sur mon enregistrement. Donc, pour pouvoir utiliser ça, list étoile L, je dois utiliser un malloc pour générer head la variable ou head la variable qui va contenir un départ nul. Voilà. Donc, pour travailler les fonctions, donc si j'utilise head l'appellation, là, vous n'êtes pas obligé de travailler comme ça. Là, j'ai juste envie de vous expliquer comment ça marche. Vous pouvez travailler avec la première, vous pouvez travailler avec ça, liste L directement, pas de problème. Donc là, si je travaille avec cette appellation, avec ce concept-là, je travaille avec les pointeurs. Il y a la fonction TA ici. Quand j'appelle ma fonction, si j'utilise étoile L, là je donne L directement. Si j'utilise liste L, je dois donner son adresse. Donc je fais adresse L. La même chose, l'affichage. Tout à l'heure, j'ai laissé étoile L comme ça. Pourquoi? Parce que la premier essai, j'ai essayé avec les pointeurs. Donc, si je travaille avec étoile L, c'est le pointeur, je dois lui donner le contenu, tu as le pointeur, il y a la liste. Donc, le contenu, tu as le pointeur, c'est étoile L. Les hiyahadi, c'est la liste. Je lui donne la liste qui fait l'affichage. D'ailleurs, en fait, est-ce que vous avez compris? Bon, je vais essayer de répéter parce que il y a certains qui ben ça paraît un petit peu compliqué. Je vais essayer de simplifier. Alors, je vous explique. Je vous ai dit que l'utilisation est étoile. Il faut que vous compreniez où je mets un terme. Quand je mets étoile X ou bien étoile L de manière générale, maintenant c'est le contenu pointé par L. Quand je mets adresse de L, c'est l'adresse de la variable L, la variable L. Quand je mets l'adresse de L, maintenant je donne son adresse. Donc, tout dépend comment vous travaillez. Si ici, je travaille avec le L, je déclare une variable. L, c'est une variable, d'accord? Qui contient
Qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient un pointeur. Elle représente un pointeur en fait. Mais moi, je travaille avec elle autant que variable. Il faut essayer de simplifier les choses ici. Donc, elle, c'est la variable. Si je travaille avec ce concept-là, je vais dire liste L égale à nul. Maintenant que mon pointeur de liste, là, c'est le L, hein? Ça, c'est la case L. Donc, il va pointer sur une liste au départ, elle est égale à nul. OK, ça égale à nul. Là, où est le LT? Si je fais ici étoile L, où je mets étoile L, maintenant j'ai créé un pointeur qui pointe sur l'adresse de ça. Maintenant, je vous explique. Maintenant, il y a qu'un Hanaya. Ça, on va dire, pour simplifier, on va dire que l'adresse de le nœud, elle est égale à 1. C'est l'adresse, on va dire, c'est l'adresse. Donc, il contient 1. OK. L, il contient 1. L'adresse, c'est le premier élément. Si je fais étoile L, c'est un pointeur sur un pointeur. Qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir l'adresse de, on va dire, 2. On va dire X. On va dire un A pour simplifier. Elle dit A, c'est une adresse. Elle est contenue là. A, elle est là. L'adresse, elle est élémentaire, elle est à l'intérieur. Le L, il a aussi une adresse. N'oubliez pas, en fait, même un pointeur. Je vous explique. C'est une case mémoire. Un pointeur, c'est une case mémoire. L'intérieur, c'est une adresse. Mais c'est une case mémoire. Il a une adresse. Il y a un A. A, il est là. A, c'est l'adresse de Hadi. A, c'est l'adresse de Hadi. Mais l'adresse, on va dire X, ou si c'est une adresse, je la mets ici, yani X. OK. Yani, هذا هو L étoile, هذا هو L étoile, هذا هو L, ou هذا هو le nœud. Donc, pour dire que quand j'écris étoile L, le programme T, je mets il va partir à cette adresse X, il va prendre هذا l'élément. يعني en fait étoile L هو l'adresse تاع le pointeur تاع la liste. يعني je vais écrire ici d'après un exemple, hein. Suivez l'exemple. On va dire que le L هو A. يعني هذا l'adresse. Étoile L, attendez, hein. La valeur تاعو. Adresse L, quand je le déclare en tant que étoile, d'accord, quand je déclare en tant que étoile, il contient l'adresse de L. Attendez, ici je vais dire ici liste étoile X, étoile X, la liste L. Je vais aller étape par étape pour bien vous expliquer ça. Liste L. Le L, il contient l'adresse. Tahad, allez, ou A. Quand je fais ça, maintenant, il contient. Quand je fais liste étoile X, si je fais X, X, ou A, c'est quoi? C'est là. Je répète vite fait. Liste L. C'est un pointeur sur un nœud. Il contient l'adresse A. Les IA, si je veux l'écrire, c'est la même chose d'écrire ici. Adresse de ETD. Enfin, ETD 1 ou bien head le maillon en fait, head le maillon, adresse du, on va dire, de ETD 1. Il y a une adresse, l'adresse A, elle est contenue dans L. Quand je fais liste étoile X, Hada par exemple, le X il va contenir l'adresse de Hada, les IA X. X serait là, donc X cube là va contenir X serait là, Hadi. Donc, Hadi, elle est là. Le A, c'est l'adresse de Hada. Elle est là. Est-ce que vous avez compris? Ça paraît un petit peu compliqué comme ça, mais avec la schématisation, vous devrez comprendre. C'est important de comprendre ça pour pouvoir manipuler les fonctions. Je sais que tu as l'adresse, tu as l'étoile, tu as l'étoile. C'est ça, c'est important de comprendre ces concepts-là. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait ici? Bon, très bien, j'espère que tout le monde a compris. Saha, maintenant, dernière chose. Donc, si j'utilise... Donc, je vous ai dit,
votre paramètre de la fonction, le paramètre que vous donnez en fonction dépend de ce que vous, de votre déclaration et de votre prototype de fonction. La fonction insertion TI ici, regardez bien. La fonction insertion, elle prend en entrée un pointeur sur une liste. Donc, je dois donner soit l'adresse d'une liste, soit un pointeur sur une liste, comme ici par exemple. Si j'utilise liste étoile L, donc je donne L directement. Si j'utilise liste L, je dois donner adresse de L. La même chose ici pour l'affichage. L'affichage, elle est étoile L, parce qu'en fait, l'affichage, la fonction affichage T, elle prend l'entrée. Je vais revenir vers la fonction affichage. La fonction affichage, elle prend en fait une liste. Elle ne prend pas un pointeur, elle prend une liste. C'est pour ça que dire l'appellation ici, j'ai écrit affichage étoile L. D'accord. Si je mettais ici, si je veux redéfinir, j'écris ici étoile. Il prend un pointeur, mais là-dedans, enfin, c'est pas la, non, oui, les mettre étoile E ici, parce que je prends en fait le contenu tel le pointeur. Voilà en fait. Donc, si je travaille, il faut savoir quand est-ce qu'on met, quand est-ce que là. Donc, si je mets ici les étoiles, donc pour comme paramètre d'entrée, L. Si je mets pas d'étoile ici, je mets ici comme paramètre d'entrée étoile. Si le L n'est pas un pointeur, tout simplement je mets L. Voilà. Est-ce que tout le monde a compris? Bon, très bien, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez compris. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de voir quelques exercices. Et voilà, on a vu les pointeurs. On a vu les principales fonctions qu'on doit utiliser pour les pointeurs. Vous pouvez aussi créer d'autres fonctions d'après les besoins. Vous pouvez faire plein de fonctions si vous avez compris le principe. Donc, les principes à retenir ici, c'est quoi? Il faut retenir la création d'un nœud. Il faut retenir le parcours de la liste en utilisant les pointeurs. Comment on fait T reçoit T suivant, etc. Il faut retenir comment on casse les liens entre les nœuds pour supprimer. Et comment rajouter un nœud, soit avec la politique FIFO ou bien la politique LIFO. Si vous arrivez à comprendre ces concepts-là, vous pouvez faire tous les exercices et comprendre toutes les chaînes. Donc, je rappelle aussi que ce qu'on avait vu aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle les listes simplement chaînées. Ok, très bien, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, on va essayer de voir quelques exercices. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je vais vous uploader la vidéo sur YouTube et je vais vous envoyer le lien. Ok, à la prochaine, Inch'Allah.